mes amis, la saga du Congossa et jalousie de Paflo et ses amis sur Emma Loes continue. Hein? Écoutons Albertine et les autres. Ok. Elle fait dans le blanchiment d'argent, cette fille que tu vois. De haut niveau. Hein? Quoi? Répétez, s'il vous plaît. Même l'argent que tu vois Emma avoir là. Emma fait dans le blanchiment d'argent. Quoi? Quoi? Emma Loes fait dans le blanchiment d'argent. C'est-à-dire que quoi? Wamba! À l'aide, à l'aide! Ça, de l'heure est grave! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il y a quoi? C'est Alberti qui parle maintenant là. Il y a le Congo, ça, trop. Non, faites! Attends, ma chérie! Attends, ma chérie! Elle ouvre son spa. Elle a maintenant des hommes d'affaires, des trafiquants de drogue. Fonker! Gang, gang, gang! Gang, 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 gang! Elle a maintenant des hommes d'affaires, des trafiquants de drogue qui viennent lui dire: ok, on va ouvrir un compte à ton nom. Nous, on blanchit l'argent avec ton truc d'empire là. Tu m'entends? Et toi, derrière, tu as tel pourcentage. Mais ton histoire au Cambodge digne d'un film d'affairage. On n'y va pas à pas. Et m'a fait quel cinéma pour lui donner l'argent à ce niveau? Seulement les blés, les ongles, les perruques vendues. Elle fait non seulement elle fait dans le blanchiment d'argent, et la plupart des choses que tu vois là, c'est des choses qu'elle n'a pas achetées pour les gens. Vous prenez Emma Loes comme ça, la frère, vous avez quoi? Question. Tu vois, non? Mais comme elle a constaté qu'il y a trop de rêveuses en Afrique, il y a plein de filles qui veulent avoir sa vie. Oh, ma chérie! Que la maison où elle habite, en fait, sa grande sœur est mariée à un homme politique riche en Côte d'Ivoire. En fait, sa grande sœur est mariée à un homme politique riche en Côte d'Ivoire. La grande sœur d'Emma Amélie a marié un homme politique. Ouais, elle est forte. Elle dit que c'est un forte. Les mots me manquent. Les mots me manquent. C'est toi, à Betty, quand tu es en Belgique, tu es camerounaise et puis tu maîtrises la vie d'Emma Loes comme ça. Oh, comment ça? Vérité, vérité. La grande sœur d'Emma Loes n'est pas mariée à un homme politique. Non, sérieux. Ah! C'est ta sœur qui t'a donné la maison? Et tu as seulement refait à ton truc. Quoi? C'est ta soeur qui t'a donné la maison. Et tu as seulement refait à ton truc. Ça là, seulement tu mens, menteuse là. Tu as quel argent? Tu as travaillé quand? On a vu. Oh, qui t'a quoi là-bas? Ouais, là-bas, t'es quoi là-bas? Menteuse. Tu es là, tu fatigues les gens sur Facebook avec les factures, les machins. Ah, oh, c'est chaud, ça fuit. On sait, en fait, elle fait comment? Par exemple, comme toi, tu es là. Ok? Tu me connais, tu ne t'y connais pas. Peut-être dans des tissus, par exemple. Tu me dis que ma soeur, pardon, j'ai ma cousine qui se marie là-bas et je veux que tu achètes les tissus pour moi. J'ai besoin, par exemple, de 100 pièces. Tanti. Hey. Les tissus, tu vas aller donner ça à ma cousine. Donc, tu m'envoies l'argent. Je ne vais pas acheter. Est-ce que quand je vais acheter les tissus, je ne vais pas mettre ça au nom de Albertine Kana? Pas mettre ça au nom de Albertine Kana? Je vais mettre ça au nom de Joël Bormis. Tu vois, c'est ce qu'elle fait. Ma chérie. Ma chérie. Une fois elle avait présenté les diamants, tu racontes des bêtises. Les diamants que tu montres là, ce n'est pas pour toi, c'est une dame au Mali. Donc c'est comme ça qu'elle fait. Tu m'entends? Donc même quand tu la vois partir dans les études de Chiventi, en fait, qu'est-ce qu'elle fait? Tu as comment? Quand tu la vois partir dans les études de Chiventi, en fait, qu'est-ce qu'elle fait? Comme elle a beaucoup de partenariats avec les gens. Donc elle est comme gérée de certaines choses, de certaines marques. Tu vois? Elle maintenant, elle a des contacts. Elle a des contacts. Des femmes qui lui disent que, ok, par exemple, je vais te donner l'argent, tu vas aller dans le boutique Chanel parce que tu t'y connais. J'ai vu que tu t'es filmé par exemple avec telle qui travaille à Chanel. Tu vois, c'est comme ça qu'elle fonctionne. Waouh, 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 waouh. C'est pas de ma faute. Oh, quitte là-bas. Emma Loes, elle a une idée de mesure dans le Congo. Ça veut dire qu'elle veut faire le Congo. Ça, c'est Emma qu'elle met au milieu. C'est pas si. Regardez-moi une connasse comme ça là qui a déjà le cul ouvert, je ne sais même pas comment on ouvre ça. La jalousie t'a fait quoi, chérie? Ils augmentent leur piment dedans. Et puis après, on te dit en exemple, on dit voilà, parce que c'est une vraie qui a parlé. Bah, ok, je te prends un gars. Comme le gars de la Centrafrique là veut venir par exemple ouvrir le compte. Il vient par exemple, il me donne 50 millions. Il dit que ça va être ça que tu ouvres le compte. Elle vient vous faire les snaps. Elle vous dit que oh, je viens d'avoir un marché, machin, j'ai gagné 50 millions. Alors que ce n'est pas son argent. C'est comme ça qu'elle fonctionne, ces filles que tu vois là. Je t'ai pris un exemple qu'on vient me donner par exemple 50 millions. Elle te dit que non, ça c'est son. Alors que ce n'est pas pour elle. Elle fait dans le blanchiment d'argent, cette fille que tu vois. De haut niveau. De haut niveau. Tu
inspirant ces gens sur Facebook tout le temps, tout le temps. La seule vraie influenceuse qu'on a vu, elle a acheté, c'est la Malena. Elle colle l'amitié à la Malienne, là, tu peux pas, c'est Sodia Diabata, je sais pas trop qui là. C'est elle qui coiffe toutes les influenceuses en Afrique. Toutes les influenceuses, là, Emma Louez, Coco Emilia, elles veulent toutes marcher avec cette fille. Parce que quand cette fille dit qu'elle achète, elle achète le diamant, elle te rend bête. Tu vois, non? Donc, elles veulent toutes copier, et, ou c'est Sora Diabata, ou c'est Sora qui. Mais elle, elle fait comme ça. Podacim 2, l'enfant né au bord d'un carrefour avec plusieurs spermatozoïdes, la mythomane de la Côte d'Ivoire. C'est pour ça qu'elle s'appelle UDM, parce que même dans le Congo, ça, vous critiquez vos camarades et puis vous prenez UDM pour te faire exemple. Les mots me manquent. Les mots me manquent. C'est toi, à Bézine, quand tu es en Belgique, tu es camerounaise et puis tu maîtrises la vie d'Emma Louez comme ça. Ah! C'est-à-dire qu'ils ont pris la chair, le corps, l'âme d'Emma Louez et puis ils ont déposé. Puis chérie, quand on écoute le voix, chérie, chaque temps, c'est la vie d'Emma Louez. C'est la vie d'Emma Louez. Tu vois ce que tu as créé maintenant? Tu vois ce que tu as créé? C'est pas de ma faute! Ouais, Veno! Il y a une imbécile qui veut me dire carrément que oui, EK n'est pas, tu n'es pas au niveau de, tu n'es pas au niveau de Emma Louez. Faut emmener ta camarade Albertine. Ta camarade Albertine peut se comparer à Emma Louez. Il dit, yeah, maman Mangaï, Jésus-Christ de Nazareth, ouais. Le jour que Emma pourra se comparer à l'orteil de Albertine, je me suicide. Le jour que Emma pourra se comparer à l'orteil de Albertine, je me jette de mon quatrième étage. Elle n'a qu'à d'abord finir, moi. Une envieuse, ma soeur. Une envieuse. Une envieuse. Elle n'aime pas le bonheur d'autrui. Là, maintenant que moi, j'aime vous lancer, vous vanter. Ah, ma copine Albertine, elle a si. Ma copine Nigès, elle a si. Elle, là, petit que moi, j'ai là ses problèmes. Je vais rester telle que je suis. Je vais mettre des bimes, c'est moi, ma soeur.